Salutations, c'est MX Trucker. Aujourd'hui, je vous suggère un map combo ATS American Truck Simulator basé sur Cost-to-Cost, les normes cartes C2C. Et avant de vous dire ce qu'il y a dedans, je vais déjà vous dire ce qu'il n'y a pas. Pour ma part, je n'ai pas intégré les cartes mexicaines, qui généralement se trouvent par ici, plus d'autres, passe-mode, etc., qui sont à l'intérieur. Tout simplement parce que, après test, eh j'ai eu euh, des problèmes de mission avec des, des retours sur le bureau. Euh, à savoir que ces cartes sont initialement prévues pour 1.39 et non pas 1.40. Alors je sais qu'on peut modifier euh, euh, les fichiers manifestes, etc. Comme on le fait habituellement avec Afromap, par exemple, sur euh, Eurotruck Simulator 2. Sauf que là, bah, ça ne marche pas. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai pas intégré également, comme j'ai pu le voir ailleurs, la carte de Bellingham qui se trouve dans ce secteur-ci. Donc, Bellingham qui maintenant s'appelle SCS Improvement. Euh, comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a des routes cassées lorsque je l'intègre entre euh, ben, la carte de Canada Dream et puis Bellingham. Donc, on va dire que j'ai fait ce map combo sur la base de Coast to Coast, donc Canada Dream, euh, on va dire, est une, une carte qui participe à Coast to Coast. Donc voilà, c'est la, la, la raison de ce choix. Euh, pour autant, nous allons retrouver tout de même quelques maps très importantes, à savoir ici ATMX, qui a été euh, largement... Euh, Agrandi, on va dire, dans ces secteurs-là et puis en direction de, de l'ouest. Nous avons ici la carte de Island Map, mais nous n'avons pas la carte de l'Australie, puisque bah, la carte de l'Australie s'agrandit et la carte de la TMX s'agrandit aussi, et du coup, maintenant, elle couvre le même secteur. Donc, exactement comme pour. Euh euh, Bellingham ici et puis euh, Canada Dream. Bah, il faut faire des choix donc voilà pour ce map combo j'ai choisi on va dire la quantité. Nous avons également ici Middle East Expansion. Nous avons une autre carte ici qui est euh, Caribbean Map et puis nous avons deux petites nouveautés. Alors, où sont-elles Ici, à Fort Collins, Denver. Donc voilà, juste ici, ce petit morceau de, de route qui est en jaune. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait une map, c'est un petit peu plus dans l'esprit de House in Italy pour ceux qui jouent à Eurotruck. En fait, c'est un endroit où vous allez pouvoir, aller euh, va poser vos sacs. Vous avez votre maison, vous avez votre garage, vous avez votre propre station un Petit, euh, petit add-on très très sympa, voilà qui permet, euh, on va dire, d'agrémenter de, de, un petit peu ce, ce map combo avec quelque chose de sympa. Et puis ici, la ville de Barstow avec ces eh routes qui sont ici en jaune, plus les petites parties grises juste à côté, et eh bien qui est une extension de, de Barstow, voilà qui permet là encore d'agrémenter. On va voir tout de suite l'ordre de chargement. Avant de commencer l'ordre de chargement de ce map combo, à tout seigneur, tout honneur. Et c'est le premier map combo que je vais présenter qui a été réalisé, on va dire, à 99% par AK76. Donc c'est un copain qui a ouvert sa chaîne euh, tout récemment. Et qui lui est spécialisé non pas forcément dans les maps combos, mais plutôt dans les modes combo. Et en plus euh, bah, c'est quelqu'un qui teste mes maps combo. Il a commencé il y a déjà quelques, quelques semaines, et donc je vous invite à, à aller sur sa chaîne, à voir ce qu'il fait, euh, à vous abonner également, il en a besoin de manière à être vu et connu un peu plus sur, euh, sur YouTube. Et puis bah, en cela... Euh, AK, ben je te dis un grand merci et puis je te souhaite tout le succès possible avec tes créations. Allez, on attaque! Nous retrouvons tout en bas Island Map en version 0.1.3, juste au-dessus Radiator Springs en version 1.3, 1.3a pour être précis. Grand Canyon Rebuilt qui est en version 1.3 également. Barstow Extended en version 1.2. Mega Resource en version 2.1.23 qui est absolument nécessaire pour faire fonctionner notamment Island Maps ci-dessous. Cost-to-cost en version 2.11 alors non pas. Encore une fois, point .11, mais c'est bien point .12 en version Open Beta. C'est juste que le fichier ici n'a pas été mis à jour par l'auteur. Nous retrouvons juste au-dessus CanaDream en version 2.39.2. Middle-West Expansion Beta. Il s'agit ici de la version 1.6.1c Free. Donc, gratuite. Carabin Map qui est en version 1.0.2. Le Mega ressource Cost-to-Cost -Coast C2C Patch en version 3. Le Map Edit Denver par Frankenstein et non pas Frankenstein en version 1.0.1. ATMX en version 4 proposée par LTO Alta MX, quelqu'un qui porte ces deux lettres là dans son nom est forcément quelqu'un de bien. Juste au-dessus, nous avons le ATMX Mountain Roads, puis nous avons Alaska Ice Road Map et nous n'avons pas Australia donc qui est masqué par euh, par ATMX désormais et le fichier library pour faire fonctionner Alaska Ice Road juste au-dessus J'utilise le satellite background. Alors, je ne sais pas s'il a un numéro de, de version, si, version 1.3. Et pour finir, le full screen war map pour avoir la carte en plein écran. Je vous souhaite de joyeux kilomètres américains, des miles pour être plus précis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de m'accorder des pouces positifs. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao <specoughs> Greetings, here is MX Trucker. I suggest you a Map Combo ATS Map Combo American Truck based on coast to coast C2C map. And in this one, I did not add the Mexican maps which supposed to be here and i know that some other youtubers suggested it but i did not because i got issues um, i don't think that it was a load order problem i just had issues with some missions and maybe it's due to the open beta american track version i don't know but it happened Many times, I mean three, four times, so I did not add the Mexican maps in this map combo. But we have Middle West expansion plus coast to coast, of course. We have here the Caribbean map. There is the new huge ATMX map with many new areas that has been added in these sectors and it's going far probably in the west part in the way that australia map cannot be loaded on this map combo because they are using the same sector here we got island map there is on top can a dream? And I did not load um, X Bellingham map, which is called now SCS Improvement, because there were some broken roads in the sector of Bellingham, as you can see in pictures. And uh, the aim is not to have broken road, but a walking map combo. But we have two new maps. The first one is not exactly a map. The first one, which is just here, in fact, is called Denver Yards, and it will improve your game with, as you can see here in video, fuel station and garage, and this is a personal place to be. As we get, for example, house in Italy in. Uh, ETS2 and the second map, the second one here in south of Basto. All this road here in yellow have been added to increase Basto city. So here is the map combo. Let's have a look now to the load order. Before starting this load order, I want to thank Aka76, who is a friend who just started his channel on YouTube and also on Twitch. Um, he realized about 99% of this map combo. I helped him, we, we have made many things together, but as he is used now to, to test my map combo um, for weeks, for months. He really deserves to mention his name here, and is he specialized in mod combo mods with the S mods combo that can really complete the map combo that I suggest you. Let's have a look now to the load order. Down here we get Island Maps version 0.1.3. Just on top we get Radiator Spring version 1.3. Letter A. Here we get Grand Canyon rebuilt, which is version 1.3, and just on top here is Burstow extended 1.2, which is done by Digital X. Here we get Mega Resources 2.1.23, which is mandatory for some maps just placed below. Coast to coast version 2.11. Not eleven but twelve, it's just that the file has not been updated by the author, as you can see here. V211.12 open beta version. Here we get Canadream version 2.31 sorry two Middle East Expansion Beta which is version one six one C free version here we get caribbean map version 1.0.2 and mega resources c2c patch on v3 here is map edit denver not by frankenstein but frankenstein Version is 1.0.1. .1. Here we get ATMX version 4 by LTO Tension MX, and somebody will get MX in his name is surely some someone very good. ATMX mountain roads, then we get Alaska Ice Road Maps and Library File mandatory to work with Alaska. On top of that, I get ATS satellite background version 1.3 and full screen world map on top of that to get your map in full size. Wish that you appreciated this uh, map combo, this video. Thanks for watching it. Give me thumbs up and thanks to subscribe to my channel if it's not done. See you very soon. Ciao!